Je me suis acheté une nouvelle casquette. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. La semaine dernière, j'avais froid. Mais bien froid. Un froid, tu t'en souviens. Du coup, je suis sorti beaucoup plus couvert. J'avais mis gros manteau, deux vestes, bien chaud. Une semaine après, je suis en pull, dehors. On est toujours en décembre. C'est agréable, hein, parce qu'il fait un peu moins froid. On s'habille un peu moins chaudement. Enfin, je m'habille parce que tout le monde ne fait pas comme moi. Mais ça va parce qu'on est en décembre, c'est supportable. Enfin, c'est cool, quoi. Et quand on sera en été, qui fera bien bien chaud là. Ce sera pas agréable du tout. Je pense que là tu vois où je veux en venir. Bah le réchauffement climatique c'est la merde là. Parce que les saisons elles sont de plus en plus trompeuses. Cet été il était grave bizarre. Il a plu, il faisait... Bizarre. Cet hiver là il fait froid, il fait un peu moins froid, il fait... Bizarre. Bizarre, bizarre. Et ça commence à être chiant. Ça commence à être chiant. Il faut agir à notre échelle d'abord. Parce qu'il ne faut pas attendre des politiques d'agir à notre place. Hein. Et enfin, ça commence par un développement durable. Le rapport entre réchauffement climatique et développement durable, il est simple. Il y en a qui considèrent le réchauffement climatique comme le syndrome d'un développement qui n'est pas durable. Je me rappelle qu'on nous l'a enseigné en premier, je pense, au CE1. La première fois que j'ai entendu ça, c'était au CE1. J'avais 7 ans. Là, j'en ai 21. Donc, ça fait un bail quand même. Pendant tout ce temps, c'est devenu de pire en pire. Et je me dis que là, je suis au parc. Il y a des enfants devant moi et tout, qui jouent. Et je me dis, comment ils vont se projeter, eux? Est-ce que eux, ils vont pouvoir avoir des enfants qui vont se projeter aussi? Ils vont se dire, oui, dans 20 ans, je veux être ceci, je veux être cela. Mais ça se trouve, dans 20 ans, les températures, elles sont invivables. Et ce sera vraiment, vraiment, vraiment la merde. Et là, il y a les élections qui arrivent. 2022, ceci, cela. Faut voter, hein. Et je dis pas qu'il faut voter pour un parti écologique, quel qu'il soit. Hein. Ah, je rigole. Pas du tout. Mais voilà, il faut faire les choses bien à un moment donné. Tout à l'heure, quand je suis venu ici, j'ai compté le nombre de déchets sur 30 mètres. Et j'étais à 50 à peu près. Et j'arrêtais de compter parce que j'en avais marre. Et c'était que sur tout droit. Pas à 20 mètres, à gauche ou à droite, non. Que tout droit, là où je marchais, là où je mettais les pieds. C'est beaucoup trop. Heureusement, il y a des gens qui agissent. Hein. Quand j'avais installé ma caméra, il y a un grand monsieur d'à peu près la cinquantaine d'années hein, qui me demandait ce que je faisais. Il était en train de ramasser des déchets. Et du coup, ben, je lui ai expliqué. Après, on a un peu ramassé les déchets ensemble et tout. Mais on a parlé. Ouais. Mais c'est pas la question. Il faut qu'on agisse d'abord à notre échelle. Avant d'attendre des actions des autres. Hein. Et il y a 3 jours, j'ai vu un mec avec 2 petits. Ils avaient tous les 3 un paquet de chips. C'était le plus grand. Hein. C'était peut-être ses petits frères ou ses petits cousins, je sais pas. Ou bref. Peu importe. Il achetait son paquet de chips comme ça dans la nature. Et les petits, ils ont fait pareil. C'est complètement. Enfin, c'est stupide. Là, par exemple, j'avais un. J'ai mangé une sucette au chocolat. Et ce que j'ai fait, c'est que, bah, vu qu'il n'y avait pas de poubelle à proximité, j'ai mis ça dans ma poche. En attendant de trouver une. Ce qui est complètement normal, alors c'est normal de faire ça, non? C'est normal, hein? Hein? Prends soin de toi et n'oublie pas de sourire à la vie. Oh, attends, je la refais. Prends soin de toi et n'oublie pas de sourire à la terre. Elle était lourde, celle-là.